On a un potentiel, on a des joueurs jeunes et intéressants, mais qui nous manque cruellement les attaquants parce qu'on a failli aujourd'hui dans ce domaine-là. On a eu quelques occasions qu'on a manquées, on a eu quelques situations où on n'a pas toujours les arguments pour aller finir. Quand on vient à Zardis devant une équipe de Zardis qui, malgré son classement, pour moi, est une équipe intéressante, avec du jeu, avec de l'envie. C'est pas facile de venir ici et j'en sais quelque chose parce que j'ai pas souvent gagné ici, ni avec l'étoile, ni avec le club africain avant. C'est toujours des matchs acharnés, des matchs de course, mais les artistes aujourd'hui jouaient une carte importante et ils ont été vaillants, nous aussi on a été vaillants. Bon, le problème c'est que depuis deux semaines on a joué 5-6 matchs et que nos jeunes comme Zemzemi, Gazi, ils ne sont pas habitués à ce genre de répétition de match. C'est des jeunes qui découvrent, qui viennent dans la première division, donc il faut les laisser aussi mûrir. Donc aujourd'hui, certains avaient plus de difficultés en fin de match. Et surtout, notre problème, quand on veut gagner un match comme ça, il faut qu'on ait des attaquants, il faut qu'on ait des potentialités offensives pour marquer. Défensivement, on a été très costaud, on a été solide, on a été organisé. Mais devant, aujourd'hui, on a des jeunes, on a des joueurs qui avaient souffert de la répétition des derniers matchs. On a joué 3 matchs de la semaine, Espérance, Fax. Aujourd'hui, ici, donc c'est pas facile. Donc pour le club africain, pour retrouver des potentialités plus importantes pour gagner les matchs et pour marquer des buts, il faut qu'on trouve des attaquants et qu'on remette en route, je dirais, dans notre secteur offensif avec plus de joueurs d'expérience, de joueurs de qualité, de potentialité offensive, parce qu'on ne peut pas gagner les matchs avec que des jeunes et avec un attaquant d'expérience qui est salaire. Quel objectif pour M. Massou?